Moi, je dirais que Derol, c'est un grand cabinet de curiosité. Voilà, on est en plein dedans, là. On est dans un grand cabinet de curiosité. Donc, les gens qui arrivent ici ont les yeux partout. Voilà, on ne peut pas passer comme ça à repartir. Donc, les yeux se portent sur tout ce qu'il y a. Donc, je m'appelle Yves Serretti, je travaille chez Derol depuis un peu plus de 22 ans maintenant. Peut penser que c'est désuet au départ, mais non, je pense que Derol évolue en même temps que l'évolution de la vie, donc ça suit le cours des choses tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Ouais. Au départ, c'était vraiment comment dire, c'était vraiment des gens pointus, voilà, des gens déjà de l'éducation nationale qui venaient, donc on m'appelait prof de sciences, pas comme maintenant, je vais me faire tuer. Donc qui connaissaient leur sujet, donc c'était vraiment, ils parlaient vraiment avec les noms latins, quoi. Ils demandaient une espèce, c'était pas je veux une araignée, c'était l'arachnide d'un tel, hein. C'était vraiment l'évolution s'est faite comme ça, vers la décoration. Voilà. Les gens font plus attention à ce qui les entoure, parce qu'on fait partie du même monde, en fin de compte. Que ce soit les petites fourmis ou grands humains, on est tous sur la même terre et on fait partie tous du même cycle. Ouais, ça bouge encore, ouais, c'est pas quelque chose qui sera statique, non, ça non, je pense pas. Mais j'y crois même, je suis même sûr. Puis bon, on découvre toujours des nouvelles espèces aussi, de nouvelles choses. La nature est en perpétuelle évolution, et je pense que Derol suit cette évolution en même temps. Et ça, c'est génial, même pour nous, parce qu'on apprend toujours.